Il y a des hommes qui sont faibles dans leur personnalité. Ils cherchent tout le temps l'approbation des hommes. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça. Tu échoueras dans la vie. Recherche l'approbation de Dieu. Jésus mangeait, buvait, mais Dieu était avec lui. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a eu la démonstration qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut ressusciter. C'était la démonstration qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour le péché des hommes. Toi, opère dans les œuvres, Dieu va te justifier. Avant de faire chaque chose, tu regardes l'homme. Avant de poser une action, tu regardes les hommes. Si les hommes sont d'accord, alors tu continues. Mais tu sais que les hommes peuvent être d'accord, mais tu es perdu. Et tu sais que les hommes peuvent être contre, mais tu es sur le vrai chemin. L'approbation des hommes ne doit pas être ton premier signe pour faire une chose. L'approbation de Dieu d'abord et quelques hommes, mais des hommes connectés à Dieu. Pas tous les hommes connectés à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'acclamer pendant que tu échoues. Et ils peuvent s'opposer à toi pendant que tu réussis. Et si ton échelle de valeur c'est l'homme, tu échoueras. C'est ce que Jésus veut dire. Les hommes sont compliqués. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Les hommes s'opposeront toujours. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Une fois que tu as cette maîtrise de cette connaissance, ta vie sera stable, parce que notre instabilité vient de la vie des hommes. Oui, fais très attention à la puissance de l'homme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu des anges, mais l'homme tu le vois tout le temps. Et la voix de Dieu tu l'entends rarement, mais la voix de l'homme tu l'entends tout le temps. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Tu entends tout le temps, tout le temps. Et avec cette génération de j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, aujourd'hui les hommes sont influencés par l'homme. Et tu risques de détruire ta vie. Tu risques d'arrêter quelque chose qui va bientôt marcher parce que les hommes ne disent pas j'aime, mais Dieu dit j'aime. Mais le problème du j'aime de Dieu, on ne le voit pas sur Facebook et sur Instagram. Quand Dieu aime, on ne voit pas, tu ne vois pas le j'aime de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu abandonnes. Ne t'arrête pas si tu sais que Dieu est avec toi. Même si les hommes s'opposent, même si les hommes te contredisent, même si les hommes n'aiment pas, si c'est la volonté de Dieu. Jésus a donné le pain, ils étaient d'accord. Mais le jour qu'il a présenté le sang et il a présenté la chair, ils n'étaient pas d'accord. Mais il a continué son chemin, son message. Lorsqu'il est mort, on l'a critiqué. Mais quand il est ressuscité, on a su qu'il était le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier. Tu n'as pas besoin de l'amour du monde entier. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit dans ton équipe. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour croire en toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde te dise commence pour commencer. Je vois même des gens, s'ils veulent épouser une sœur, est-ce que je l'épouse? Que je l'épouse? Que je l'épouse? Comment tu peux poser des questions à ta sœur d'épouser une femme alors qu'elle est jalouse de ta... Il y a des frères qui font ça. Tu amènes ta fiancée auprès de ta sœur et tu demandes à ta sœur si tu peux l'épouser. Alors que souvent les sœurs, les petites sœurs et les grandes sœurs sont jalouses. Tu veux commencer une affaire et tu demandes à ton concurrent si toi tu veux la commencer. Vraiment, vraiment. Tu attends qu'il te dise quoi? Commence. Pourquoi tu demandes toujours la permission? Pourquoi tu demandes toujours la permission? Il y a un temps où on demande la permission, mais il y a un temps où on fait, où on agit. Alléluia. Et si tu as la permission de Dieu, lance-toi, ça finira par marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, mais ça finira par marcher. Lorsque Dieu appelle Paul, il n'a pas consulté la chair et le sang et les apôtres qui étaient avant lui. Il s'est lancé dans le ministère, il a prêché la grâce et Pierre a témoigné que les connaissances qu'il avait reçues étaient supérieures. Ton problème, c'est que les hommes sont trop présents dans ta vie. Trop présents dans ta vie. Il y a trop d'hommes en toi. Il y a peu de Dieu. C'est pourquoi ta vie, ça ballotte. Parce que les hommes, quoi, ils ballottent. Les hommes, aujourd'hui, ils peuvent aimer ceci, ils n'aiment plus. Ils aiment ceci, ils n'aiment plus. Ça, c'est à la mode, ce n'est plus à la mode. Ça, c'est cool, ça, c'est plus cool. Ça, c'est cool. Alors, toi, tu suis les hommes. Et puis, ta vie va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Pourquoi? Parce que les émotions des hommes changent. Le même qui peut te décourager demain, aujourd'hui, demain, il te dit c'est bon.
Et tu suis ce qu'il a dit et tu arrêtes. Il t'a dit pourquoi tu m'as écouté. Je n'avais pas compris. N'est-ce pas? Que l'on peut te décourager. Et après tu abandonnes, il te dit pourquoi tu m'as écouté. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme. L'homme est changeant. L'homme est changeant. Frère, l'homme est changeant. Ne bâtissez pas vos vies sur les hommes. Bâtissez vos vies sur Dieu, qui est le roc. Le roc est stable. L'homme est poussière. L'homme, c'est le sable. Et le sable amène des érosions. L'un des signes du temps de la fin, c'est que les hommes de Dieu vont écouter les hommes. En ces derniers jours, à la fin des temps, la Bible dit quoi? Que les gens ne vont plus supporter la saine doctrine et ils se donneront des docteurs. Ils se feront des docteurs. Et les docteurs de ce temps, du temps de la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêcher à l'église ce que l'église veut entendre. Et alors ça va faire quoi? Un jour ils voudront entendre ceci, et puis demain ceci, et puis demain ceci. Et donc ton Saint-Esprit devient l'église. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que le visage des hommes ne te pousse pas à faire et ne pas faire. Mais que le visage de Dieu te pousse à faire. Parce que si tu regardes le visage de l'homme pour faire, tu vas t'arrêter ou tu vas continuer dans les bêtises. Mais si tu regardes le visage de Dieu, tu es toujours constant, 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 constant. Et Jérémie 51, verset 45, la Bible dit ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, l'action. Entrez dans une nouvelle saison de sanctification, de consécration, de liberté par rapport à l'idolâtrie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Mais écoutez, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. C'est-à-dire, l'ordre est de sortir, mais il y aura un problème, il y aura des bruits. Mais malgré les bruits, sort. Malgré les bruits, sort. Frère, il n'y aura pas toujours le silence dans ta vie. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui n'opère que dans le silence. La plupart des temps, on opère dans les bruits. Vous qui voulez être en paix avec tout le monde pour être heureux, ça ne marche pas. Tu ne seras jamais en paix avec tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi, de manière claire ou de manière cachée. Mais tu n'as pas besoin de silence pour sortir. Mais tu as besoin que Dieu parle pour sortir. Tu n'as pas besoin du silence pour opérer dans une nouvelle saison. Tu as besoin de l'ordre de Dieu. Mais si toi, ton problème, c'est que tout le monde doit être ton ami, tout le monde doit être d'accord avec toi pour sortir, tu mourras. Arrêtez de rechercher le silence, car Dieu opère dans le bruit. Dieu opère dans l'adversité. Dieu opère dans l'adversité et il aime opérer dans l'adversité. Nous sommes des cactus du désert. Malgré le désert, Dieu te fait pousser afin de démontrer qu'il est le Dieu qui donne la pluie du ciel, mais la pluie aussi des racines, l'eau des racines. Arrêtez de rechercher en permanence la paix. Ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est la vie des bisounours. La vie des dessins animés. Les films où l'acteur tape tout le monde, personne ne le tape. Vous connaissez des films pareils? Lui, il tape tout le monde. S'il te donne un coup, tu tombes. Tu lui donnes un coup, il ne tombe jamais. Ça, c'est les films. Ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a du bruit. Dans la vraie vie, il y a des oppositions. Mais tu avances, tu avances, tu avances. Il y a des critiques, tu avances. Des combats, tu avances. Ne te laisse pas décourager. Dieu lui-même qui leur promet la sortie, leur promet aussi deux bruits. Il y aura un bruit et un autre bruit. Mais sortez quand même. Pourquoi? Il sait que le bruit n'empêche pas les pieds. Il sait que ce que l'oreille entend ne bloque pas les pieds. Mais ton problème, c'est que ce que ton oreille entend a bloqué tes pieds. Oui, tu ne fais plus rien parce que tu as entendu. Alors que l'oreille, c'est l'oreille, la main, c'est la main. La bouche, c'est la bouche, les pieds, c'est les pieds. Les gens parlent, c'est l'oreille. Continue à avancer, continue à monter dans les avions, continue à aller au travail, continue à aller à l'école. L'oreille entend, mais moi je marche, mes mains bougent, ma main n'est pas mon oreille. Même si tu entends du bruit, mais toi avance, écris, chante, prêche, investis, étudie, fais des grandes choses. Même si l'oreille entend le bruit, marche. Pourquoi tu ne fais plus? Les gens parlent, mais c'est l'oreille. Pourquoi tu ne vas plus? Les gens parlent, mais c'est l'oreille. Est-ce que ça menait des liens au niveau de tes pieds? Non! Tu es trop sensible à ce que les gens disent. Et ça bloque tes pieds. Et ça bloque tes mains. Pourquoi tu ne vas pas au travail? Les gens m'ont critiqué. Et puis tu restes à la maison parce que l'oreille a entendu. Non, même si l'oreille a entendu des critiques, va au boulot, travaille, tu auras ton salaire. Alléluia! Les critiques ne vont pas empêcher que tu aies ton salaire. Même si on critique, prends tes pieds, va au travail, monte dans l'avion, va en Chine, va à Dubaï, même si on critique. Ton problème, c'est quoi? C'est que l'oreille est devenue tes jambes. L'oreille est devenue tes mains. Comme on me critique, je ne fais plus. Non! Les hommes parleront. Ils ont des bouches, ils doivent parler. S'ils ne parlent pas, ils vont mourir.
Et les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors si tu veux les comprendre, tu perds ton temps. Toi avance, ils te comprendront un jour. Parce que même ceux qui ont insulté Jésus ont fini par croire en lui. Toi avance, ils vont croire par tes résultats. Ils vont croire par tes résultats. Ils vont croire par tes résultats. La sagesse a été manifestée par les œuvres. Et les œuvres manifestent la sagesse. Oh, donne-moi la main. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est parmi les plus grands combats qu'on a au Congo. Les critiques. Les gens parlent trop au Congo. Les gens parlent tellement trop que si tu écoutes trop, tu seras distrait. Sois concentré, sois focalisé. Tu as des grandes choses à faire. Tu as une grande destinée. Avance et avance. Ils parlent, tu avances. Ils critiquent, tu avances. Ils disent, tu avances. Ils parlent, tu avances. Tu avances, tu finis et tu commences quelque chose. Encore et encore et encore et encore. Ils auront des prix de l'histoire, mais toi tu auras le prix de l'action. Parce qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui étudient l'histoire et ceux qui font l'histoire. Tu vois, toi tu étudies Napoléon. Napoléon n'a pas étudié Napoléon. Il a été Napoléon. Et il y a des gens qui agissent, on les critique. Mais il y a des gens qui eux agissent. Toi opère et laisse les autres étudier ta vie. Toi agis, laisse-le prendre des pics et des cahiers pour écrire des livres sur toi. Napoléon, Bonaparte, Mobutu, tout le reste. Mais toi agis. Toi agis, laisse-le être des historiens de ta vie. Et c'est important parce que si personne n'écrit ton histoire, comment on saura que tu as existé? Et les critiques sont la preuve que tu vis. Les critiques sont la preuve que tu bouges. Parce qu'on ne tire pas deux fois sur un mort s'il est mort. Tes combats sont la preuve que tu es vivant. Tes combats sont la preuve que tu n'es pas vaincu. Parce que si tu étais vaincu, on n'allait pas s'occuper de toi. Donc ce sont des prophéties que tu es vivant, que tu existes. Et que tu fais des choses qui impactent. Lorsque notre président n'était pas président, est-ce qu'il y avait autant de critiques sur lui? Pourquoi il y a des critiques? C'est parce qu'il est président. Il y a des critiques sur toi. C'est parce que tu es élevé et tu vas être élevé. Le diable essaie de lire ta trajectoire et il te distrait par rapport à ta trajectoire. Tu as quelque chose en toi, c'est pourquoi les gens parlent. Si tu n'avais rien, les gens n'allaient pas parler. Ils ont critiqué la flûte parce que la flûte a vraiment joué. Ils ont critiqué les complaintes parce que les complaintes étaient réelles. S'il n'y avait ni flûte, ni complainte, ils n'allaient rien dire. Ils ont dit quelque chose parce qu'il y avait quelque chose. Quitte cette fragilité. Tu es trop fragile. Tu es trop sensible. Tu cherches trop l'amour des hommes. Que Dieu te remplisse de son amour. De sorte que même si les hommes ne t'aiment pas, tu t'aimes toi-même. Oh, c'est très sérieux. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils s'aiment quand on les aime. Non, moi je m'aime même si on ne m'aime pas. Je m'aime trop. Pourquoi? Mon créateur m'a dit que je suis une créature merveilleuse. Je ne me trouve pas beau parce que tu me dis que tu es beau. Je me trouve beau parce que Dieu qui m'a créé me dit que je suis beau. Je me trouve pas. Ouais. Moi, je crois en moi parce que Dieu croit en moi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. Tu as un problème, c'est que les hommes sont trop importants pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es dans les complètes, tu laisses. Tu flûte, complète, flûte. Qu'est-ce que tu joues? Tu joues maintenant complète flûte. Oui, tu es maintenant complète flûte. C'est-à-dire que tu n'es jamais à 100% dans ce que tu fais parce qu'il faut que les gens t'approuvent. Mais comme la totalité des hommes ne peuvent t'approuver, tu ne seras jamais à 100% parce que tu n'auras jamais 100% d'hommes. David dit qu'il est une merveilleuse créature. Est-ce qu'il était Miss Univers ou Monsieur Univers? Qui lui avait dit qu'il était? C'était sa femme? C'était Dieu. Il s'est vu comme Dieu le voyait. Cela lui suffisait. Frères, sœurs, Dieu te dit d'aller étudier en URSS. Tu es convaincu, vas-y. Si tu demandes notre permission, même moi je vais te décourager parce que je n'aime pas le froid. Si j'avais écouté les hommes pour servir Dieu, je n'allais jamais servir Dieu. J'ai écouté personne, j'ai été têtu. Les gens ont dit. Aujourd'hui tous m'encouragent. Même les personnes qui étaient opposées disent: Marcelo, tu avais raison, c'est le pasteur Marcelo. Mais les mêmes personnes m'ont dit: qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ta vie. Arrête d'écouter les hommes. L'homme ne peut pas lire la trajectoire de ta vie. Il va t'embrouiller. Les hommes vont t'embrouiller. Tu joues à la flûte, ils ne sont pas contents. Les complètes, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien. Même un prophète, pour lire ta vie, il faut que Dieu lui parle. Si Dieu ne lui parle pas, il ne peut pas comprendre ta vie. Le sacrificateur n'a pas compris Anne. Pourquoi il n'était pas en esprit? Même Élisée n'a pas compris la mort de l'enfant de la Tsunamite.
Oui, même vous, pour faire quelque chose, tu dois consulter un prophète. Eh, frère, faites très attention, le prophète n'est pas tout le temps connecté. Le prophète n'a pas tout le temps des prophéties. Vous savez ça? Oui, il y a des fois, je peux te prophétiser par expérience. C'est-à-dire, j'ai la sagesse de Dieu, je peux te donner un conseil. Mais quelqu'un qui tout le temps te dit qu'il a des ainsi dit l'Éternel est un menteur. Parce que des fois, Dieu lui donne des délestages pour l'humilier. Mais toi, avant de faire quelque chose, prophète Dieu a dit quoi? Prophète Dieu a dit quoi? Prophète Dieu a dit quoi? Le jour que le prophète se réveille en colère, Dieu est en colère. Mais si Dieu m'a parlé, je veux voir le prophète me confirme ce que Dieu a dit. Mais je ne peux pas voir comme premier ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit le Seigneur qui vient du serviteur de Dieu. Parce que moi je suis l'épouse de Jésus, il faut qu'il me parle et puis me confirme au travers de ses prophètes. Mais si toi tu as toujours besoin que tous les prophètes soient d'accord pour faire quelque chose, tu vas stagner. Le prophète A va te dire commence, l'autre va te dire ne commence pas, commence, ne commence pas. Maintenant tu bugs. Tu vois, si tu prends un téléphone, tu mets WhatsApp, Facebook, YouTube, ça va fonctionner? Ça va bugger. Si tu prends ta vie, tu donnes aux hommes, ils vont te faire bugger. Celui-ci va préférer YouTube dans ta vie, l'autre Facebook, WhatsApp. Maintenant, tu vas bugger parce que tu veux plaire à tout le monde. Mais si tu vas sur ton téléphone par toi-même, tu vas dire aujourd'hui, je suis seulement sur Messenger et Messenger va opérer. Même les téléphones et les ordinateurs nous apprennent qu'on ne peut pas recevoir plusieurs ordres au même moment. J'aimerais faire ceci. Voulez-vous? Et vote. Vote dans ta vie. Toi, tu permets les élections dans ta vie. Les élections dans ta vie. Nous, nous sommes pour. Nous, nous sommes contre. Maintenant, la majorité. Tu es faible. Tu es trop faible. Michée était seul contre tous les prophètes. Mais Dieu était avec lui. Il était seul contre tous les prophètes. Dieu était avec lui. Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas d'assurance et tu n'as pas de certitude personnelle. C'est pourquoi tu t'accroches sur l'amour des hommes. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas t'occuper des hommes. Mais j'aimerais te fixer tellement sur Jésus-Christ que même si les hommes ne sont pas là, tu es fort. C'est ça le but. Je ne te dis pas de mépriser les hommes. Mais tu dois atteindre un niveau où tu es Jean à Patmos dans une île. Mais tu opères dans une dimension où tu vois l'Apocalypse. Hey, la communion fraternelle est bonne, mais le même Dieu qui a créé la communion fraternelle permet à ses serviteurs de se retrouver seuls en prison pour leur révéler les épîtres. La plupart des épîtres de Paul ont été écrites en prison, sans communion fraternelle, en prison, dans des moments difficiles où il est en train de courir, il est seul, mais Dieu est avec lui. Tu as trop conscience des hommes et tu n'as pas conscience de Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas vite. Tu ne vas pas vite. Tu entends trop la voix des gens. Les gens ont dit, les gens ont dit, les gens veulent, les gens ne veulent pas. Mais toi, tu veux quoi? Je ne sais pas. Dis à ton voisin, tu veux quoi? Il y a longtemps que tu as dit, je veux. Tu dis, les gens veulent, les gens disent. Et toi, tu dis quoi? Dieu a dit à ton voisin, toi, tu dis quoi maintenant? Tu vois, il y a très longtemps que tu as dit, moi, j'ai dit. Tu es un irresponsable des destinées. Tu te caches derrière la vie des autres pour que tu ne sois pas responsable de tes erreurs. Ainsi, si tu échoues, tu dis, ce n'était pas moi, ce sont les gens qui avaient dit. Frère, assume ta responsabilité. Marche avec Dieu. Et si tu échoues, tu échoues. Mais si tu réussis, tu réussis. Que te cacher derrière, les gens ont dit. Pourquoi tu épouses ce garçon? Papa dit que c'est un bon garçon. Comme ça, si tu es malheureuse, tu vas dire quoi? Hein? C'est papa, irresponsable. Pourquoi tu es dans le ministère? C'est le pasteur qui avait dit. C'est un prophète qui avait dit. Comme ça, si ça ne marche pas, ce n'était pas moi, c'est le pasteur. Tu dois atteindre un niveau, tu assumes. Et tu peux dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, je le fais. Les gens sont contre, mais je le fais. Les gens sont pour, je le fais. Et je ne le fais pas parce que les gens sont pour. Je le fais parce que Dieu est avec moi. Et les pour des hommes sont des confirmations que Dieu est pour moi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, les bruits empêchent une nouvelle saison.